Personne ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Bonjour à tous et bienvenue à La Quinzaine, épisode 7. C'est déjà le dernier épisode de l'année 2017 et pour l'occasion, on va vous parler du film événement de cette fin d'année. Vous n'avez pas pu passer à côté et évidemment nous non plus. On va donc vous parler de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, je suis toujours avec Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Et avec Camille. Salut Camille. Salut Jacques. Tous les trois, on va vous dire ce qu'on a pensé donc du dernier Star Wars. Ce sera aussi l'occasion de revenir un peu plus largement sur la saga. Attention, par contre, on va spoiler allègrement tout au long de cette émission. Et avant de commencer à parler de Star Wars, comme toutes les semaines, on va discuter aussi des autres sorties de la semaine. Ambroise, je sais que tu as été voir Santa et compagnie, qui est sorti la semaine dernière, il me semble. Qu'est-ce que tu en as pensé assez rapidement ? Moi j'avais un peu peur, je suis un grand fan d'Alain Chabat, mais j'avais un peu peur après son dernier film qui était Le Marsupilami, que j'avais même pas pu regarder en entier tellement ça m'avait déplu. Et là c'est une très bonne surprise. Après c'est un film qu'il faut aller voir sans aucun cynisme. Faut y aller, c'est un film plutôt familial, même plutôt orienté pour les enfants. Mais on y retrouve quand même la patte d'Alain Chabat avec des très bonnes blagues. Et on va dire que c'est un très bon divertissement familial de Noël. Ouais, moi j'ai été le voir aussi et c'est un peu ce que j'en retire aussi. C'est un film quand même qui reste plus enfantin que ses autres films, un peu moins drôle quand même aussi, on peut le dire. Après, ça reste une bonne comédie ouais, de Noël, gros budget pareil, oui. Pour les effets oui, spéciaux. Après, ce qu'on peut dire, c'est ce qui est bien dans ce film-là, et après Au revoir là-haut, c'est bien de voir des films français qui sont quand même visuellement... accompli avec des vraies idées. Enfin là, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont bon, il y en a quelques-uns qui passent pas terribles, mais vu que dans Star Wars aussi, c'est pas trop grave. Et du coup, il y a beaucoup de couleurs, c'est visuellement assez accompli, donc ça c'est quand même quelque chose de vraiment positif à souligner. Ouais, et puis ça fait toujours plaisir de voir Alain Chabat quand même à la réalisation, puis en tant qu'acteur, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous propose quand même d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va arrêter de perdre du temps avec Santa et compagnie et tout là. On va parler de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, qui est sorti le 13 décembre. C'est réalisé par Rian Johnson, à qui on doit déjà Looper, avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, qui est sorti il y a quelques années, je sais plus exactement, en 2012. On lui doit aussi quelques-uns des meilleurs épisodes de Breaking Bad, dont l'avant-avant-dernier épisode de la série, qui était vraiment incroyable et qui est même reconnu par tout le monde comme un des meilleurs épisodes de toute la série, un des meilleurs épisodes de l'histoire de la télé même. Et aujourd'hui, c'est lui qui est derrière la caméra pour Star Wars épisode 8. Alors on retrouve évidemment tous les personnages qui avaient été introduits dans Le Réveil de la Force, Rey, Finn, Poe, et on retrouve aussi les anciens. Un peu des problèmes de Télétobis quand même. Bah ouais, clairement. Et est-ce que Camille, tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en était dans l'histoire, s'il te plaît ? Bien sûr, bah du coup, le film là, Les Derniers Jedi commence juste après la fin du Réveil de la Force, qui était sorti en 2015. Donc on a toujours un genre de un nouvel empire qui est le premier ordre, qui est dirigé par un méchant assez énigmatique qui s'appelle Snoke, et son lieutenant Kylo Ren, qui s'appelle aussi Ben Solo, vu que c'est le fils de Han Solo et de Leia. Ensuite, on a Rey qui après un combat contre Kylo Ren, qu'elle avait gagné d'ailleurs, qui part à la recherche de Luke Skywalker sur une île un peu improbable, sur une planète océanique, on va dire. Ouais. Et parce qu'elle cherche à ce qu'il l'entraîne et aussi à le faire revenir un peu en activité, puisqu'il est en retraite anticipée sur cette île. Et pareil, on a la résistance qui est dirigée par Leia, avec aussi la présence de Poe et de Finn au sein de la résistance, et qui elle est totalement en déroute. Et du coup, on va voir ça dans le dernier Star Wars. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu le pitch, on sait où on en est à peu près dans la saga. Ambroise, qu'est-ce que t'as pensé de ce dernier épisode ? Alors pour commencer, je vais citer ce qui m'a plu dans le film. Comme ça au moins c'est évacué et après je pourrais réellement parler du film. Moi il y a trois scènes qui m'ont plu, réellement. Ce qui est quand même assez pauvre sur un film de 2h30. Vu que le film dure 2h30, c'est l'un des plus longs Star Wars qui a jamais été réalisé. Il y a une bataille de sabre laser qui est assez intéressante, qui est très belle visuellement et qui... où là, en plus, ce qui est bien dans cette bataille de sabre laser, c'est que
contrairement à la bataille de sabre laser dans le Réveil de la Force et à celle qui était dans Rogue One où à la fin on voit Dark Vador qui apparaît 5 minutes, ouais. Et ben c'est la première fois qu'une bataille de sabre laser est amenée, qu'elle a une vraie raison d'exister et qu'on y croit réellement. Donc ça c'était positif et ça m'a fait plaisir. Le climax aussi sur la planète de sel, on peut dire que c'est une belle scène d'action avec une planète intéressante. Il y a eu des idées par rapport à ça, contrairement au Réveil de la Force où il y avait quasiment aucune idée sur la conception des planètes qui était très ressemblante à celle des films précédents. Mmh. Et enfin, il y a une scène à un moment où un vaisseau part en vitesse de la lumière pour détruire un autre vaisseau. Et là, c'est le seul moment où il y a des vraies idées de mise en scène et une vraie originalité. Et du coup, ton avis plus général sur le film ? Si vraiment je veux dire, pour moi c'est de la merde, je suis désolé de le dire comme ça, mais je trouve que le film il est totalement raté, et c'est même pas question de dire que c'est un Star Wars raté, je trouve que c'est juste un film raté, que ce soit dans sa structure scénaristique, visuellement il y a beaucoup trop de scènes, et je suis désolé, on est en 2017, on est sur un Star Wars qui est un film avec un énorme budget. Star Wars, si ça a été connu, c'est parce que ça a toujours été précurseur en termes visuels, en termes d'effets spéciaux, ouais. Je peux pas accepter d'avoir certaines scènes avec des effets spéciaux aussi dégueulasses, et voilà, après il y a plusieurs personnages, on s'en fiche. On va revenir sur les points de toute façon, sur les différents points du film, etc. Camille, toi ton avis sur le film ? Moi aussi, je trouve en fait que le... Enfin, je suis assez d'accord avec Ambroise dans tous les cas. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est le scénario qui est, pour moi, pas du tout à la hauteur. Alors que, autant, j'adhère bien, en fait, à l'arc narratif global qu'ils ont commencé à poser, du coup, dans le set, avec le renouveau avec Rey et Kylo Ren, que j'aimerais beaucoup en fait, le duo, je trouve qu'il fonctionne hyper bien, et je trouve ça assez intéressant, enfin la manière de montrer de manière moins manichéenne le rapport entre le bien et le mal, enfin c'est plus nuancé que dans les Star Wars originaux, mais sauf que le scénario tient pas en fait. À chaque fois qu'il y a une scène d'action, il se trouve qu'il y a un tiers qui va aller sauver, mais constamment, donc c'est du Deus Ex Machina, ouais, constant, où à un moment on a la BB-8, c'est ça qui va sauver de manière totalement mais improbable les deux héros en prenant possession d'un robot. Enfin, je veux dire, ça a aucun sens. Et c'est principalement ça mon problème, c'est que on a des personnages qui sont au final assez solides, ouais. et qui sont pas du tout utilisés de la meilleure manière. Et on a l'impression qu'en fait il faut forcément une suite de circonstances improbables pour qu'ils arrivent enfin à atteindre leurs objectifs, mais ça marche pas sinon. Toi Ambroise, ton avis sur ces personnages qu'on a découverts dans l'épisode précédent, je pense notamment à Ben Solo et à Rey qu'on a découvert, qu'on approfondit un petit peu dans cet épisode là, ça t'a plu ou pas le développement qu'ils ont connu dans cet épisode 8 ? Alors, les personnages de Rey et Kylo Ren, oui, c'est les personnages les plus intéressants, parce qu'en fait, tous les autres personnages, que ce soit Finn, que ce soit Poe, en fait, ils font rien, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils représentent, ce qu'ils font. Ils ont une caractérisation qui est hyper basique, hyper simple, et qui fait qu'on a vraiment du mal à s'attacher à ces personnages-là. Et c'est pour ça que Rey et Kylo Ren, c'est forcément les deux personnages les plus intéressants, vu que au moins ils créent des espèces de dilemmes avec eux. Mais enfin, Rey, c'est juste Luke en meuf. Et Kylo Ren, c'est un Anakin bis, et d'ailleurs on n'arrête pas de lui dire, de le rappeler pendant le film, on lui dit ouais t'es un peu un mini Vador et tout ça. Et moi écoute, oui on peut, je comprends que ça puisse plaire, mais moi je trouve ça quand même hyper pauvre quoi. Enfin c'est, si on a un minimum exigeant, se contenter juste de ces deux personnages parce que ils traversent des dilemmes moraux, qu'ils ont un lien avec la Force et tout ça, je suis désolé, moi ça me suffit pas quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant quand même, le développement que pouvait avoir Kylo Ren dans cet épisode-là, et d'autant plus que, autant dans l'épisode précédent, il pouvait passer pour un peu, l'enfant qui se retournait contre ses parents, etc. Il a été beaucoup critiqué pour ça, et on disait c'est un personnage hyper basique, c'est un ado qui fait sa crise d'ado très, très basique. Et là, dans celui-là, je le trouve un peu plus élaboré quand même. Je trouve que notamment son retournement contre Snoke, même s'il est attendu, est plutôt bien fait.
Je trouve que le rapport qu'il a avec Rey dans ses discussions à distance qu'ils ont tous les deux, etc. Les Skype via la Force. Exactement, exactement. Tout ça, c'est plutôt intéressant. Moi, c'est un personnage que j'aime de plus en plus. Et par exemple, lui, pour le coup, j'ai hâte de le retrouver dans le prochain. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. Ouais, clairement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, moi, les séquences un peu intimes où, du coup, il y a la discussion entre Rey et Ren. Je trouvais ça hyper intéressant et ça, justement, ça va changer un peu ce que tu disais, Ambroise, qui pour moi est assez caractéristique des Star Wars de manière générale. C'est que c'est quand même des personnages hyper basiques où, quel que soit l'épisode et quel que soit le personnage, genre assez monolithique, qui change assez peu. Et ça, c'est grandement la faute de George Lucas. Et du coup, dans tous les cas, on a un univers qui est construit autour de personnages qui sont globalement assez pauvres. En gros, on a l'impression de qu'il a lu le manuel de comment est-ce qu'on fait une histoire et il en a fait un space opéra, quoi. Et du coup, alors que j'aime beaucoup Star Wars, hein, mais c'est clairement pas là que ça brille, quoi. Et que du coup, dans tous les cas, on s'inscrit dans ce registre-là, et que justement dans ce registre, il y a un peu de fraîcheur et d'originalité qui est apportée. Par contre, ce que je trouve vraiment décevant, c'est que Finn, il est totalement sous-exploité de tout le film. Il a une vieille histoire secondaire qui au final sert à rien. On aurait pu l'enlever, on aurait gagné 30 minutes et ça aurait rien changé au dénouement du film. On aurait eu un film de 2 heures et on aurait pu aller boire des coups un peu plus tôt. Et donc Finn, je trouve ça assez décevant. Poe, il est plutôt exploité, mais c'est un peu pareil. Donc lui ça fonctionne pas mal dans le sens où il montre l'opposition entre le mec qui le va en guerre un peu, le héros solitaire, tout ça, et contre les stratèges. T'avais un peu une opposition entre les deux qui à la limite peut fonctionner, mais Finn il sert à rien, quoi. Il y a quand même un énorme problème de personnage secondaire dans celui-là. Enfin, pour moi, il y a aucun personnage. C'est tout. Il y a rien d'autre. C'est un casse-cou. Basta. Poe, il y a rien. Finn ne sert à rien. Ne parlons pas des personnages qui sont pas secondaires, mais qui sont. Léa, Luke. Ne serait-ce que. Ça, on en reparlera après. Ouais, on va en reparler après, mais tout ça. En fait, rien n'est intéressant à part la relation entre Ben et entre Ben et zut, et Ray, pardon. Donc bon, Ambroise, je te voyais bouillir tout à l'heure sur ton. Non, alors Kenny, je suis absolument pas d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis qu'il y a toujours eu un gros problème de personnage dans Star Wars. Le personnage de Dark Vador, c'est peut-être l'un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma. Le "Je suis ton père", si tout le monde connaît ce dialogue, c'est parce que c'est pas juste parce que c'est un twist pour le twist, pour dire oh là là, je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. C'est juste que ça remet tout en cause par rapport au bien, au mal, au personnage de Luke qui aussi prend une certaine dimension par rapport à cette révélation. Et justement, c'est pour ça que le personnage de Dark Vador, c'est un personnage mythique qui est resté. Han Solo, c'est pareil, c'est le vaurien, il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais là, il avait pris un vrai personnage de western pour l'intégrer au space opéra. Et Harrison Ford là-dedans, on en avait déjà parlé dans une de nos émissions, il crevait l'écran et c'était parfait. Et le parcours de Luke, il était aussi hyper important. C'était Luke, tu sentais réellement une. Là, c'est pour ça que quand on parle de Rey aussi, et que mon Rey qui a exactement le même parcours que Luke, le truc c'est que Luke, entre le début de la guerre des étoiles et la fin de chaque film, Luke, tu sentais qu'il avait évolué réellement, qu'il avait passé un cap. Quand il détruit l'étoile de la mort, il le fait en utilisant la force, pas en utilisant les machines, et c'est vraiment un truc important et c'est cohérent dans le scénario. Rey, non, elle a la force directe. C'est pas du tout expliqué. Il y avait un espèce de mystère autour de sa famille. Le mystère de sa famille, non, en fait, on apprend que sa famille, c'est rien du tout. C'était juste des ferrailleurs. Et à un moment même, on lui dit, en fait, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Ouais. Ok, super. Mais ça, c'est aussi quelque chose, et ça va nous permettre aussi un peu d'arriver au scénario et à l'histoire de cet épisode de Star Wars. Ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé dans celui-là, c'est qu'il s'amusait beaucoup à déconstruire ce qui avait été annoncé, ou en tout cas, ce que l'on pouvait penser qu'il allait arriver dans l'épisode précédent. Que ce soit, par exemple, on se dit, Rey va arriver, et Luke va la former sur son île, comme Yoda l'a fait pour Luke, etc. Et voilà, ils vont refaire l'Empire contre-attaque. Finalement, ça se passe pas. Elle est jamais entraînée. Quand Kylo Ren détruit son masque aussi, là, on se disait, il va devenir le nouveau Vador, etc. Et il le détruit. Et concrètement, non, il va pas devenir le nouveau Vador. Il essaye aussi un peu de s'extirper de ce genre de choses-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette manière-là, dont il prenait un peu le contre-pied de ce qui était attendu. Et comme on se disait, il y a beaucoup de théories, etc., sur les parents de Rey et compagnie.
Et au final, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous êtes branlé pour rien. Il n'y a rien du tout, elle n'est rien. Voilà. Ouais, mais clairement, mais je suis assez d'accord. La volonté de casser les codes qui étaient devenus en fait plus un carcan que des codes de Star Wars, je trouve ça assez intéressant aussi. T'as aussi le fait qu'au final, on pensait qu'on allait avoir un grand méchant, et rapidement, en fait, il n'existe plus du tout. Et par exemple, il n'y a pas de combat au sabre réellement à nouveau entre Rey et Ren. Tout ça, je trouvais ça assez intéressant. Et sur ce que tu disais sur les personnages de Star Wars, etc., le voyage initiatique, etc., genre, c'est quand même une formule qui existe depuis la nuit des temps. Enfin, c'est pas une structure narrative nouvelle qui fonctionne. Ils ont essayé de le faire et qu'ils l'ont pas aussi bien fait. Oui, oui, mais il y en a qui. Mais il y en a des milliers qui ont. Mais il y en a des milliers qui l'ont mieux fait. Donc en soi. Tu me les cites. Je peux t'en citer beaucoup. Du roman au cinéma, beaucoup. Le cinéma qui reste autant la culture populaire, il y en a quand même pas des masses. Mais dans tous les cas, clairement, je trouvais ça assez intéressant, mais on a toujours le film qui a du mal à faire la table rase du passé, ce qui pour moi est absolument nécessaire parce que Leia, bon, maintenant de toute évidence, elle ne sera malheureusement plus là. Comme vous avez fait sur Rogue One. Ce serait dommage. Mais pour moi, à Mark Hamill, déjà, je trouvais pas que c'était un très bon acteur de base, et là je le trouvais assez mauvais en fait. En sachant que le réalisateur avait annoncé que c'était un rôle à Oscar pour Mark Hamill. C'est ça, parce que l'Oscar là, je sais pas où est-ce qu'il pourra le trouver. Et du coup, la table rase du passé qui commence à être faite en cassant les codes, en se délestant de quelques personnages emblématiques et tout, voilà, je trouve ça bien, mais t'as quand même un poids de l'héritage qui est énorme et qui a du mal vraiment à disparaître. Et du coup, j'ai bien envie de voir enfin un Star Wars où on sortira de ce poids des deux trilogies précédentes, parce que ça devient un peu lourd de faire le pont entre les deux, quoi. Et c'est là où aussi le film est assez intéressant, parce qu'en fait, par certains moments, il est presque méta quand il parle des mythes, de la légende des Jedi, etc. Quand Luke dit ça à Rey, quand Ben tend la main à Rey après avoir tué Snoke et lui dit mais tout ça c'est le vieux monde, laissons Luke, laissons Leia derrière nous et reconstruisons un monde à partir de nous. Et finalement, on sent que le film a envie de le faire, mais il va jamais au bout de ses idées et n'arrive jamais à dépasser ce, comme ouais, tu disais Camille, de tuer les idoles. Il les tue, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire c'est la fin du clivage gauche-droite et Macron. En bref, hein. moi je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Enfin, que vous trouviez ça intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est représentatif d'un truc, c'est que la trilogie globale, là, celle du coup du réveil de la Force et des derniers Jedi, c'est qu'ils l'ont pas pensé globalement, quoi. C'est sûr, parce que on a reproché quoi dans le réveil de la Force? On a dit pourquoi il met un masque Kylo Ren, c'est juste un espèce de... Il essaye de refaire Dark Vador, sauf que Dark Vador, s'il avait un masque, c'est parce que sinon il pouvait pas vivre sans, en fait, c'était nécessaire. Kylo Ren, c'était juste un gadget. Et ce qu'on avait reproché aussi dans le Réveil de la Force, que personnellement je déteste profondément, c'était qu'à la fin, la bataille de sabre laser, Rey, elle avait jamais touché un sabre laser de sa vie, et elle se battait déjà comme les meilleurs des films précédents, ce qui n'avait aucun sens. Et qu'est-ce qu'on a au début du film? On a Kylo Ren qui va voir Snoke, et Snoke qui lui dit ouais, ton casque c'est un gadget, t'as pas besoin de le prendre, donc pouf, il le jette, et il lui dit en plus tu t'es fait prendre la leçon par une fille qui avait jamais touché un sabre de sa vie. Donc en fait, le mec, il est en train de justifier une critique qui avait été faite au film précédent, et moi je les soupçonne de ça, en fait. C'est que ils font pas les films dans une espèce de logique artistique qui serait pensée au préalable. C'est que en fait, ils s'adaptent à ce que veulent les gens. En fait, limite maintenant, je crois que les scénarios des prochains Star Wars, ils vont faire des sondages sur Twitter, sur Facebook pour dire qu'est-ce que vous aimez. Et c'est ça d'ailleurs, parce que là, les spin-offs qu'ils ont prévus, c'est ils disent bon alors les gens, ils aiment qui comme personnage? Ils aiment Han Solo. On va faire un spin-off sur Han Solo. Ils voulaient faire la même chose avec Boba Fett, sauf qu'au final, ils se sont rendu compte que Boba Fett, c'est compliqué de raconter une histoire sur un personnage qui apparaît un quart d'heure en tout dans l'histoire. Et moi, c'est ça qui me désole, quoi. Et Rian Johnson,
Enfin, au final, tu sens qu'il n'y a pas de fond commun. Et là, sur le troisième épisode, qui va être en plus réalisé encore par J.J. Abrams, à la place, ça devait être, enfin, au début, ça devait être Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World. Il a été remplacé par, ouais, mais bon, ce sera J.J. Abrams quand même. Et franchement, mais moi, je m'en fous, quoi. Enfin, je vais aller le voir quand même parce que bon, c'est un Star Wars, mais en fait, je m'en fous, quoi. Ouais. Par rapport à ce que tu disais où il s'adaptait au sondage, etc., il semblerait que la mort de Snoke soit aussi directement liée à ça. Par exemple, parce que Snoke, après le réveil de la Force, apparaissait aux spectateurs comme étant trop grand et pas assez humain, etc. Donc ce qui explique que dans cet épisode-là, ils ont rapetissé le personnage, ils l'ont rendu un petit peu plus humain, et je pense qu'ils l'ont tué aussi à cause de ça. Ils ont vu que le personnage ne plaisait pas. Sauf que le problème, c'est que le personnage ne plaisait pas aussi parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Ben on connaît pas le personnage. Non mais c'est sûr. Et après, on ne saura peut-être jamais. Hein. Enfin, je sais pas comment ils vont se démerder avec ça. Non mais Camille. En plus, mais t'as quand même des incohérences. Le truc, je pense qu'entre le premier épisode de Star Wars et bah, celui-ci, du coup, il doit y avoir 60 ans environ. Et ça va. Enfin, c'est combien de révolutions galactiques il y a eu en fait. Enfin, le premier ordre, on ne sait pas d'où il sort. Snoke, le mec, est-ce que c'est le fils caché de Palpatine ou pas, c'est vraiment improbable la manière dont il y a une quantité de méchants qui arrivent à sortir de cette galaxie et à tenter de la diriger. Enfin, je veux dire, c'est improbable, c'est improbable. Et du coup, on parlait un peu du réalisateur et moi je trouve pas, oui, comme tu disais, il y a quelques trouvailles graphiques comme t'as. Non mais il y en a très peu, mais du coup je l'ai dit comme ça. Par exemple, du coup, l'explosion du vaisseau spatial en silence, je trouvais ça assez beau. Du coup, c'est 10 secondes sur 2h30, c'est quand même. Ah, mais clairement. Comme tu disais, la planète de sel aussi. Mais sauf que visuellement, c'est pas très beau. Les effets spéciaux sont assez mauvais. On le voit, il y a une course de semi-chevaux. Je ne sais pas ce que c'est comme animaux. Ouais, un genre de lévrier. Un genre de lévrier à cheval. Je ne savais pas que c'était possible, mais en tout cas, voilà. Et qui, eux, sont assez dégueulasses. Et avec des courses dans les champs où t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo plus que dans un film à 300 millions de dollars quand même. Et des petits trucs improbables qui puent l'appel aux produits dérivés, type des petits animaux avec qui ont des yeux en mode chaboté là. Des Borgs, ils appellent ça. Des Borgs, je crois. Des Borgs. Ça s'appelle exactement comme ça. Il y a des peluches partout. On s'en fout. Mais voilà. Il y a des peluches partout. Et ça, c'est improbable, et on le revoit à la fin du film, et tu sens que c'est vraiment pour rappeler à tous les enfants de la salle qu'ils peuvent avoir ça pour Noël, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu dur, quoi. Ils sont quand même super mignons. Ils sont hyper mignons. Par contre, les renards de cristal. Tu seras content, tu vois. Mais par contre, les renards de cristal, ils sont dégueulasses. Ouais. Même visuellement, je les trouvais vraiment moches, quoi. Toi, Ambroise, il y a certaines scènes aussi qui t'ont un peu choqué visuellement, non? Bah ouais, l'apparition, bon, vu qu'on peut spoiler, on peut dire qu'à un moment il y a 10 minutes avec Yoda. Comment c'est possible de faire un Yoda? Mais ils ont essayé de faire un mélange en fait en images de synthèse et de marionnettes comme c'était à la base. Mais en fait, même tous les monstres en fait, ils sont moches. Mais justement, en fait, cette trilogie-là, elle voulait se détacher de la prélogie. On avait beaucoup reproché beaucoup trop de fond vert, beaucoup trop d'images de synthèse. Et là, justement, essayer de se détacher de ça en essayant d'avoir un aspect beaucoup plus créatif avec des maquettes. Et en fait, le problème, c'est que c'est bien gentil, justement, d'essayer de faire une scission avec la prélogie par rapport aux images de synthèse. Mais essayer de faire des monstres bien, quoi. Enfin, là, les espèces de petits porgs, mais c'est des horreurs, quoi. Et le truc qui me saoule, c'est que c'est sûr, ils l'ont fait. On s'est dit, bon, on va faire comme des Ewoks. On va choper ce petit truc là, ils vont le faire, et comme par hasard il devient pote avec Chewbacca comme les Ewoks, parce qu'ils ont des poils, tu vois, donc ils sont forcément copains. Non mais ce racisme des poils est terrible, hein. Je dis ça parce que je suis seul imberbe de la table. Attends, Chewbacca il l'a pas bouffé, hein, son petit porc, hein. Ouais. Il aurait bien aimé le bouffer. Bon, là j'ai... parce que Chewbacca est gentil, il va pas manger des petits trucs comme ça. Moi il y a un truc aussi qui m'a marqué dans le film, c'est le ton qui est adopté. Hyper second degré, beaucoup de blagues, parfois trop, sans doute. Mais c'est quelque chose qui m'a un peu choqué parce que parfois il se foutait quand même ouvertement de la gueule de Star Wars et de l'héritage Star Wars, quoi. Camille, t'en as pensé quoi? Star Wars, l'original, je trouvais, à part quelques moments qui étaient faits pour être drôles, en particulier avec Han Solo, des trucs comme ça,
Chewbacca ou R2-D2, mais globalement c'était d'un sérieux pas possible où les enjeux étaient galactiques et il fallait toujours sauver la princesse à la fin quoi. Donc à la limite que qu'il soit un peu plus décalé, ça me dérangeait pas, mais là c'est clairement de l'humour à la Marvel en mode tiens t'es torse nu et si on faisait un gros plan sur tes muscles ou des trucs comme ça, ce qui est un peu un peu pourri en fait. Ça fait presque Gardien de la Galaxie en fait. Par moment, c'est-à-dire que quand Rey tend le sabre laser à Luke et qu'il prend le sabre laser et qu'il le jette par-dessus son épaule. Ouais, clairement. Enfin, là, je me dis, putain, on est ailleurs quoi. On est clairement ailleurs. Enfin, Ambroise, c'est à choquer. C'est quand même un foutage de gueule ça aussi. Le sabre laser, faut se rappeler que dans le Réveil de la Force, la première fois que Réal le touche, elle a des espèces de visions parce que apparemment du coup le sabre laser qui est censé être une arme, c'est devenu un truc mystique comme l'anneau du Seigneur des Anneaux. Et à la rigueur, je me suis dit bon, ok, pourquoi pas, je vais accepter ça même si je trouvais l'idée un peu con. Et là, du coup, elle arrive, elle donne le sabre laser à Luke Skywalker qui est censé être une scène solennelle, mais pour faire la vanne, Luke Skywalker il jette le truc et puis il s'en va. Et ça c'est très grave. Hein. Enfin, le je prends le truc à cœur parce que Star Wars c'est un truc. Non mais parce que Star Wars c'est un truc important. Moi c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma clairement. Et je suis vraiment attaché au film, donc c'est pour ça que voir ce qu'ils en font aujourd'hui, ça me fait vraiment de la peine et ça me met en colère. Le fait que maintenant ils fassent des blagues comme ça, vu que il y a toujours eu de l'humour dans Star Wars, mais c'était de l'humour en mode, c'était de l'humour de bande, c'est ça en fait, c'était de l'humour de bande avec Han Solo et Luke qui se faisaient des échanges, qui restaient savoureux. Là c'est de l'humour en mode, tu pourrais mettre un t-shirt quand même, ou alors des bestioles qui rôdent, qui pètent. C'est Gardien de la Galaxie 3 en fait, et c'est pas un Star Wars quoi, c'est. C'est ça qui me dégoûte un peu là-dessus. Ouais, et puis là où je dis qu'ils se foutent presque de l'univers Star Wars, c'est notamment cette scène où on a une espèce de grosse machine robotique qui fait de la fumée, etc. Et en fait, ce qui apparaît, c'est un fer à repasser qui repasse les uniformes du Nouvel Ordre. Et j'ai trouvé ça symptomatique aussi mais de ça. Les gens rigolent dans la salle. Les gens rigolent dans la salle, mais en fait, c'est comme si aujourd'hui, il fallait obligatoirement un peu se foutre des choses et adopter une posture un peu ironique pour que ce soit complètement du côté du spectateur. Je sais pas trop comment le dire, mais en fait, c'est ce qu'ils font déjà avec Marvel, tu sais, parce que Marvel, au final, ils font genre, oui, on essaie de faire des films de super-héros épiques, c'est pas du tout ça, en fait. Ils arrêtent pas de faire des coups de coude aux spectateurs en mode regarde Thor, il a les cheveux longs et puis il a une dégaine de bûcheron, des trucs comme ça. Et en fait on se fout de la gueule des mythes qu'on est censé adapter. Et là tu vois, celui-là, et je trouve qu'il marque un virage réellement là-dessus, parce que c'était pas forcément beaucoup le cas dans Le Réveil de la Force, malgré tous les défauts du film. Là, c'est vraiment, on rigole de Yoda, on rigole de la religion de Jedi, on rigole de la Force, et puis au final, rien n'a beaucoup d'importance, mais bon, à la fin, on met une grosse scène d'action, et puis les gens, ils sont contents. Où est-ce que ça va s'arrêter? On est parti pour en bouffer, ils ont annoncé une nouvelle trilogie. Vas-y, Camille, pardon. Mais ça me semble assez normal en fait que ce soit le cas, parce qu'étant donné, puisque le cas de Marvel et le cas de Disney sont assez emblématiques et assez assemblables, c'est juste qu'en tant que spectateur, tu ne peux dans tous les cas pas croire que ces films ont une démarche artistique, dans tous les cas, étant donné que c'est racheté par Disney des dizaines de milliards, enfin du coup... C'était 4 milliards. C'était 4 milliards et Marvel, c'était 3. Et c'est la suite d'une franchise qui s'arrêtait quand même il y a quelques temps, et c'est des trucs où... qui n'aurait pas dû continuer. Et où il y a un film à tous les ans, jusqu'en 2022, j'en sais rien. Du coup, dans tous les cas, s'ils veulent que ça fonctionne, il faut qu'ils adoptent une démarche un peu ironique sur leur travail pour que les spectateurs ne le prennent pas trop au sérieux, puisque dans tous les cas, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Mais au final, du coup, est-ce que aussi cette ironie-là est pas aussi le symptôme que Star Wars a plus grand-chose à raconter, quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose, on se répète un petit peu, on essaye de refaire comme dans la première trilogie des années 70-80, et en fait, on n'a plus grand-chose à dire. Ambroise ? Clairement, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont acheté, qu'ils se sont dit « Cool, on a le répertoire Star Wars, on peut faire ce qu'on veut !» Et qu'après, ils ont commencé à écrire les scénarios, à essayer d'avoir des idées, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on peut raconter qui n'a pas encore été raconté ?» Puis au final, pas grand-chose. Mais après, le problème, c'est que moi, je pense que l'univers qui est créé dans Star Wars, c'est un univers tellement large, tellement riche,
qu'il y aurait moyen de faire. Et en plus, il y a eu des propositions. Il y a eu un dessin animé qui s'appelait Clone Wars, qui avait été fait entre l'épisode 2 et 3, enfin, du coup, entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Mmh. Et là, en fait, c'était du coup un dessin animé qui racontait la guerre des clones. Et là, il y avait vraiment des idées. C'est vraiment, je le conseille. La première partie, pas la partie en image de synthèse qui est dégueulasse, mais la première partie en vrai dessin animé. C'est vraiment bien, il y a des vraies idées en termes de mise en scène, sur les combats, même en termes de thématiques. Ce qui est quand même très grave, juste une petite anecdote là-dessus, c'est que à un moment, Anakin Skywalker, c'est juste avant qu'il passe du côté obscur, donc dans la revanche des Sith, et bien il y a une scène où, comme la scène de la grotte dans l'Empire Contre-Attaque, c'est, il est dans une grotte et en fait il voit son futur, il voit que sa femme va mourir, ouais. qu'il va causer le mal. Et en fait, ce qui est très grave, c'est que tu te dis que, en fait, ils ont fait ça dans ce dessin animé, alors que c'est une scène charnière qui aurait dû être dans la trilogie. Et c'est pour pro. Et en plus, George Lucas, ça l'a emmerdé que ce dessin animé ait autant de succès. Mm-hmm. Et donc, du coup, il a viré le mec, et il a même viré, du coup, le style de la série Clone Wars en engageant d'autres gars, en faisant ça en image de synthèse, et en faisant un truc beaucoup plus édulcoré, beaucoup moins créatif. Ouais, et est-ce que. Camille, pardon, vas-y. Non, mais clairement, mais le. Mais en fait, t'as l'impression que les meilleurs Star Wars, c'est pas les Star Wars, mais c'est ceux de l'univers Star Wars. Rogue One, qui était sorti il y a un an ou deux ans, ouais, c'est ça ? Ouais, l'année dernière. Ouais. Bah, l'année dernière, qui est en fait pour moi le meilleur Star Wars. Peut-être avec l'Empire Contre-Attaque, qui est quand même exceptionnel. Mais qui, puisque dans tous les cas, ce fait par George Lucas sont assez, au mieux, mal écrit et mal dirigé. Et Rogue One, du coup, justement, en fait, arriver à se sortir de tout l'héritage pesant que peut être Star Wars et chercher de nouvelles idées à la fois scénaristiques au niveau des personnages, ne pas refaire la même mythologie du combat entre le bien et le mal et des deux héros qui vont faire un voyage initiatique pour ensuite c'était en fait, étant donné que c'était assumé que c'était un épisode séparé, ils pouvaient faire des choses qui étaient intéressantes au niveau de l'histoire. Mmh. Et ce qui, moi, me manque énormément dans les nouveaux, mais ce qui me manquait aussi dans les anciens, en soi. Je suis entièrement d'accord avec toi sur cette originalité que leur permet cette stratégie de développer des spin-offs. Et du coup, pourquoi se vautrer alors pour le prochain dans la jeunesse d'Han Solo. Ouais, c'est ça. Alors que tout a été dit et tout a été fait sur ce. Enfin, tout a été dit, non, certainement pas, mais tout, en tout cas, on le connaît, le personnage, etc. Et pourquoi ne pas partir d'une feuille blanche, encore une fois, pour refaire une nouvelle histoire, comme on a pu l'avoir dans Rogue One, qui était absolument incroyable. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Alors que là, Han Solo, il sera en touché un pan de l'histoire auquel il ne faut pas toucher, et donc, forcément, ça va se planter. Ambroise ? Là, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les productions, elles sont aussi chaotiques. Là, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est J.J. Abrams qui va réaliser l'épisode 9, alors qu'à base, ça devait être Colin Trevorrow. À chaque fois, en fait, et puis sur le spin-off d'Han Solo, ça devait être les réalisateurs de Lego Movie et de Tempête de Boulettes Géantes. Je sais plus exactement le nom du dessin animé qu'ils avaient réalisé. Je crois que c'est Tempête de Boulettes Géantes. Ouais, et du coup, ils devaient réaliser le spin-off sur Han Solo. Mm-hmm. Mais eux aussi, ils sont partis en cours de projet, et ça va être Ron Howard qui va réaliser la fin. D'accord. Donc, comme j'en avais parlé sur Justice League il y a deux semaines, c'est quand même terrible de changer de réalisateur en cours de projet et de prendre des réalisateurs qui ont des visions artistiques aussi, enfin à la fois personnelles mais aussi différentes. Ça veut dire qu'on va encore, avoir un film qui sera un espèce de Blooby Boulga de style et qui aura aucune cohérence visuelle. Et quand on voit ça, c'est quand même très grave. Et pour revenir sur Rogue One, que vous considérez comme l'un des meilleurs Star Wars, mais en fait le problème de Rogue One, c'est que moi je considère que c'est un bon film, c'est intéressant, mais tout ce qui essaye de le rattacher à Star Wars, tous les espèces de petits clins d'œil complices et tout ça, mais je trouve ça complètement raté. Même la scène à la fin, quand il y a Dark Vador qui arrive et qui casse la gueule de plein de mecs, ouais. La scène est sympa en soi, mais le problème c'est que c'est pas du tout amené. Et qu'en plus ça rend c'est pas du tout amené par rapport au film qu'on vient de voir, et c'est pas cohérent par rapport à la Guerre des Étoiles, où là Dark Vador il défonce tout le monde facilement, et après on le retrouve à faire une bataille de sabre avec Obi-Wan Kenobi qui va à deux à l'heure. Et ça m'a un peu peiné. Et en plus à la fin je prends les choses très à cœur. Et du coup et puis même à la fin quand on voit Carrie Fisher, ces espèces de petits clins d'œil, moi ça me saoule. Ouais, mais en fait c'est toujours le même problème, et c'est
toujours le fait que ces films-là sont développés dans une stratégie commerciale par Disney pour vendre des produits dérivés, pour ramener à l'ancienne saga, etc. Pour vendre des bouteilles d'eau. Et c'est toujours la même chose. Après ces petits clins d'œil-là, oui, il y a des Peugeot et des Citroën, et etc., etc. Mais après, c'est tous ces... C'est une autre marque encore. Ouais, c'est ça, parce qu'on reçoit des cadeaux. Ouais, c'est ça. Engagez-nous, s'il vous plaît. Mais tout ça, pour moi, ça reste quand même un bon film. Et en plus, c'est un film de guerre. Et c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant pour un Star Wars, que ce soit vraiment un film de guerre avec une grosse bataille à terre, etc. Mmh. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et on sortait de la science-fiction pure. Franchement, pour moi, c'était une bonne proposition. C'était un bon film. C'était un vrai bon film, des acteurs. Oui, une histoire. Ça fait partie des meilleurs Star Wars. Et une histoire au moins qui se termine. Genre, ça se termine, attention spoiler encore une fois, sur un sacrifice. Ça se termine là-dessus et au moins on a un film qui est complet, qui est fait. Voilà, l'arc il est ouvert, il est fermé. On savait dès le début de toute façon qu'ils allaient mourir. On savait dès le début qu'ils allaient mourir à la fin de Rogue One. Enfin, ils le disent dans le 4 qu'ils se sont sacrifiés pour avoir l'information de l'étoile de la mort. Ouais, mais au moins le film se termine là-dessus, tu vois. Tu vois, oui, tu vois leur sacrifice. Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est pour ça que justement, limite, je pensais qu'ils auraient peut-être pu en faire un peu plus. Enfin, je suis désolé, les personnages, je les trouve pas intéressants dans Rogue One, quoi. Il y a Diego Luna qui joue un pseudo Han Solo. Il y a la fille, en fait, qui... tout le monde est très content parce que du coup, c'est la fille qui a le personnage principal. Sauf qu'en fait, elle prend quasiment aucune décision. Elle subit les événements et elle en est jamais à la source. Et en plus, il y a le personnage de Donnie Yen avec son pote. En fait, pendant tout le film, tu sais pas trop pourquoi ils sont là parce qu'ils sont rajoutés à l'équipe. Et en fait, les deux, ils ont un échange et c'est toujours... Il y en a un qui croit à la force et l'autre qui est plus pragmatique et qui n'y croit pas. Et c'est toujours moi je crois à la force et l'autre qui se moque de lui pour ça. Oui, enfin bon, ça va quoi. Enfin, moi je trouve qu'il y a des blockbusters qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Toi, Camille, en tout cas, tu seras d'accord évidemment pour dire que Rogue One était quand même bien meilleur que le Réveil de la Force. Ah oui, très clairement. Par contre, je suis d'accord qu'il est meilleur que le Réveil de la Force. Qui est plus nuancé, plus sombre, plus actuel à la fois dans les thématiques qu'il aborde et dans l'histoire, la manière dont elle est construite. Clairement pas pour moi. Rogue One était bien meilleur et je serais bien plus motivé à aller voir des propositions de ce type que revoir au final un peu la même chose. Après, ça reste divertissant en soi. Star Wars 8 là, ça reste divertissant. Je veux dire, tu sors et t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps ni perdu ton argent. Enfin, j'en sais rien. Mais clairement, étant donné la lignée dans laquelle ça s'inscrit et l'événement que c'est, ça vaut pas ça. Clairement, ça le vaut pas. Mais moi aussi, c'est pour ça que ce film-là, finalement, m'a quand même bien plu et que j'ai pas envie de le défoncer autant que vous. C'est parce que finalement, je me suis bien amusé. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a des belles scènes de bataille, qu'elles soient spatiales ou au sabre laser. Il y a des beaux plans, il y a des belles scènes. La fin, je l'ai trouvé plutôt bien. Voilà, c'est un bon divertissement. Moi, c'est pas, ça m'a pas choqué outre mesure. Faut pas attendre un Star Wars au niveau des précédents, ça c'est sûr et certain. Mais si on vient chercher un bon divertissement de vendredi soir, oui, on en a pour son argent, quoi. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi que c'est divertissant, qu'il y a des scènes qui sont impressionnantes, des effets spéciaux, d'accord. Mais en fait, j'aurais pardonné tous les défauts du film si ça se foutait pas de la... Enfin, si ça ruinait pas l'héritage de Star Wars. Et après... je m'énerve là-dessus, alors que l'héritage de Star Wars, il a déjà été ruiné avec la prélogie. C'est ça le truc. Mais en fait, c'est. Et en fait, le retravail au CGI. Aussi. Oui, ouais, les éditions de luxe, machin et tout. Je suis d'accord. Mais après, moi, c'est ça qui me saoule, c'est cette espèce de standardisation qu'ils vont faire la Disney. Franchement, je trouve ça d'une tristesse. Et puis moi, ce qui m'embête aussi avec le film, c'est la réception globale. Quand je vois des vrais fans de Star Wars qui me défendent bec et ongles ce film, j'ai envie de dire, mais mec, pourquoi t'aimes Star Wars, quoi. Enfin. Moi, c'est tout ça, en fait, ça me blase un peu. En fait, vraiment, ça me blase, quoi. Enfin, quand, je sais pas, là, on sort d'une année 2017 où j'ai pas vu de blockbuster vraiment, peut-être un Kingsman à la rigueur, mais j'ai pas vu de blockbuster qui m'ont vraiment fait plaisir, quoi. Et c'est pareil, quoi. Enfin, moi, je le mets vraiment aussi en parallèle avec un film dont on avait parlé, mais Blade Runner 2049.
Enfin voilà, je trouve que globalement c'est des films qui racontent rien, c'est des événements qui se retrouvent être des non-événements, tout le monde en parle, tout le monde en fait un foin, il y a des réactions mais complètement démesurées, j'ai vu que les derniers Jedi, certains considéraient ça comme l'un des meilleurs Star Wars qui a jamais été fait, Blade Runner 2049, tout mieux, j'ai entendu des gens me dire qu'il était mieux que l'original, enfin je trouve que globalement il y a une espèce d'ambiance généralisée autour de ces films qui sont des suites de grands classiques du cinéma, où je trouve que, je sais pas, il y a une espèce d'hypocrisie ou un manque de recul complet que je trouve un peu bizarre et qui me saoule. Okay. Beaucoup de trucs me saoulent. Bon, bah pour terminer, comme tous les 15 jours, un mot pour définir ce film, Camille ? Un peu tiré par les cheveux. Ok, ça fait donc 4 mots. Ouais, ça fait 4 mots. Ouais. Pourquoi ? Bah, comme j'ai dit au début, bah, c'est nul quoi. T'as dit merde au tout début. Si ouais, alors c'est de la merde, oui voilà. Tu voulais que je le répète, voilà. Il l'a redit. Comme bon, le réveil de la force aussi, j'ai pas suffisamment dit à quel point je détestais ce film. Bon bah merci à tous les deux, merci Ambroise, merci Camille, merci à Clément pour la technique. Allez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur SoundCloud et sur YouTube. On est partout et vous pouvez nous trouver là-bas. Et puis on se dit bah dans 15 jours. Salut.